Je m'appelle Jacopo Montegrandi, je suis volontaire auprès du Chenil du Val d'Aoste. Moi je m'appelle Hervé Domenighini, mon activité depuis 2006 c'est Skinal. Mi chiamo Fabrizio Bic, per colpa di un incidente stradale sono rimasto paraplegico. Je suis Fabio Porlion, j'ai 35 ans et je suis styliste. Sei arrivato, cinture, perfetto, sì. Moi je m'appelle Hervé Domenighini, je suis né en Valle d'Aoste et donc mon activité depuis 2006 c'est Skinalp. Donc c'est une entreprise, une start-up comme on les appelle maintenant. C'est une entreprise qui produit des accessoires de mode, ceinture, porte-carte, porte-clés notamment, avec des chutes de production de ski de randonnée, de peau de ski de randonnée. La vraie peau de ski de rando. Sont dans leur utilisation standard, elles sont nées pour être utilisées au-dessous des skis. Et à partir de cela, nous, on crée des accessoires. Donc c'est exactement la même peau, mais avec des petits problèmes de qualité. Parfois, c'est la couleur. Par exemple, le standard de qualité de ce modèle doit être ce type de rose et il devient un rose un peu plus blanchissant. Et donc c'est un écart de production pour eux, une chute. Et nous on reprend ça et on la transforme dans un accessoire. On a pensé de faire un portefeuille et l'intérieur on a mis du nylon qu'on a récupéré. Ça c'est une base d'une tente de camping qui pour des raisons de qualité, il venait d'être jeté. Donc nous on les a achetés et après on les coupe de cette dimension et ça il va devenir l'intérieur du porte-carte. Donc celui-ci, c'est une chute de peau de ski de randonnée. Parfois, on les reçoit déjà coupés au laser, comme pour les ceintures. Parfois, on reçoit des parties avec des formes un peu irrégulières et on l'utilise pour faire des produits, des essais, des prototypes, etc. C'est toujours avec la colle, comme tous les chutes qu'on reçoit. Et ça, c'est exactement le type de rouleau que le producteur de peau de ski de rando utilise pour la production normale. Là, je suis en train de mettre ensemble la base de la ceinture et l'écart de production de la peau de ski de randonnée. L'idée est née par Mario, qui était la personne qui a lancé le projet avec moi en 2016. C'est un cousin. Donc, a eu cette idée pendant un tour de ski de randonnée. Et donc, il m'en parlait. Moi, j'ai dit, allez, à mon avis, il y a quoi faire. Il y a du potentiel pour en faire une belle start-up au lieu de simplement être des artisans qui vont à certaines foires. Et dopo questa operazione le ripasso a RV, al banco, e di nuovo lavoro di banco. Le projet est né avec ce côté environnemental très très fort dès le début. On a eu la confirmation de ça quand on a contacté Pomoka, donc l'entreprise qui produit les peaux de ski de randonnée, et on s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup d'écarts et de chutes que normalement vont être jetées. Parce que c'est un mélange de matériaux, donc elles ne peuvent pas les recycler ou les diviser. Donc on s'est aperçu qu'il y avait aussi un gros côté social et environnemental à surfer, mais qui est quelque chose qu'on a vraiment à l'intérieur. On est des alpinistes, on est des passionnés de montagne, on aime où on vit et la nature. Donc on s'est dit, on peut faire quelque chose dans notre petit univers, on peut faire quelque chose. Et je pense que la génération, notre génération, est la génération qui doit vraiment changer au niveau du concept de nouveaux produits, de la consommation, etc. pour l'environnement.